Salut à tous les amis, ici Fanta de la Jungle en direct sur Far Cry 3. Alors aujourd'hui encore une vidéo de gameplay pour vous montrer le jeu et tout, parce que moi j'aime beaucoup y jouer en ce moment. Donc je ne vais pas vous spoil, hein. J'ai décidé de vous faire des vidéos de gameplay garanties sans spoil. Donc par rapport à la dernière fois, on va probablement faire quelques défis. J'ai envie d'aller chasser le tapir, tuer un requin. Faire quelques petites missions, là-bas j'ai vu un défi sniper, il y a un défi lancer de couteau, il y a du poker, il y a des courses contre la montre, bah écoutez, on va faire tout ça, en sachant que moi mon objectif est d'aller par ici. On va voir ce que ça fait peut-être de se rapprocher dans les zones quand elles n'ont pas été nettoyées. Donc il faut savoir que c'était relativement safe quand on se promenait parce qu'il n'y avait pas de patrouille pirate, parce que j'avais tout nettoyé. Mais là où c'est rouge, comme vous le voyez, il y a des patrouilles de pirates et il y a beaucoup plus d'action. La plupart des armes que j'ai sélectionnées sont silencieuses. Donc là, j'ai un FAMAS. C'est moi, hop, si je ne me trompe pas. Hein, Oui, c'est ça, c'est un FAMAS qui a des petites rafales. J'ai acheté un silencieux, j'ai le MP5 hein, pour les amateurs de Call of Duty, un fusil silencieux. Alors, sniper et un lance-lame. Ça, c'est rigolo, le lance-lame. Alors, commençons. Il y avait une petite mission chasse et pêche là. On va commencer par la chasse et pêche et on va prendre l'arme qu'il nous demande pour 200$. Un buffle à une corde, ben voilà. Dans la continuité de la précédente vidéo, j'étais mort par les buffles. Et là, je vais tuer un buffle génétiquement modifié. Voilà, en fait, ça fait partie des animaux rares. Ces animaux rares vous donnent, en fait, généralement, vous donnent la confection nécessaire pour le niveau ultime d'une certaine catégorie de craft. Et en l'occurrence, ça ne m'est pas encore proposé, donc il faudra que je le garde pour plus tard. Donc, j'apprécie encore la beauté du jeu. Oula. Ah, c'est les tapirs. Ça, les tapirs, j'en aurais besoin. Alors, allons faire brûler les tapirs. Hop, c'est quoi l'instinct du chasseur? Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Répulsif à animaux, c'est une erreur, c'est ballot. Bon, déjà il n'y a personne qui va m'attaquer. J'ai pas dû en fabriquer des... Allez, ça va être facile. Une balle, pas dans le fion parce que ça ne tuera pas. Voilà, et de 1. Et si le deuxième on pouvait le cramer, ça serait cool. Hop, je ramasse la peau du tapis. C'est le jeu hein, qui dit putain. En fait, le jeu essaye de vous mettre dans la peau d'un personnage qui n'est pas fait pour l'action. Un peu comme moi. Ah mince, ça n'a pas marché. Allez, cours après le tapir. Oh putain. Toi, je vais te courser. Je vais te courser, tu vas rien comprendre. Alors là, c'est assez comique. Les crocodiles ne pourront rien pour toi. Voilà, c'était radical. Même pour moi. Alors on éteint les flammes. Oh putain. Et on se casse parce que je fais des conneries. Fanta, tu fais des conneries. Voilà, la picouse. Et je vais fabriquer un carquois robuste pour mon arc. Oui, l'arc que j'avais déjà débloqué, je vous remercie de l'avoir précisé en commentaire, j'ai eu l'occasion de l'utiliser, et le troisième, ce sera des peaux d'ours, d'accord. Ça serait sympa que vous preniez un arc. Je vais vous prendre un arc, voyage rapide, si on est vraiment loin. Ah oui, attends, il y a le truc plus feuille fort. Hop, alors... MP5 silencieux, ça c'est pratique parce qu'en fait vos ennemis entendent les tirs à distance. Alors moi personnellement je me suis totalement pris dans le jeu quoi, j'ai l'impression, je sais pas si vous avez rappelé la plage avec DiCaprio, à un moment il pète complètement un boulon et il se met à aller faire des incursions dans le camp adverse et à se la jouer Rambo, commando et tout, c'est carrément ça quoi. C'est exactement cette scène là, ce jeu.
Ah, il va falloir que je bute au pont. Là, je vois qu'il nous donne beaucoup de bleu. J'imagine que c'est pour se faire des répulsifs à animaux. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Confection. Chasse. Instinct du chasseur. Chasseur mortel. Instinct du chasseur, j'ai aucune feuille ambrée. Il va me falloir des feuilles ambrées. C'est la base pour la chasse. Eh ben, il n'y aura pas de feuilles ambrées. Puis c'est tout. Ah bah si. C'est pas beau ça. C'est pas ça. Alors moi il faut qu'il ait qu'une corne. Est-ce que lui a une corne ou deux? J'ai l'impression qu'il en a... Il en a qu'une. Vas-y, vas-y Pépé. Ouais, il en a qu'une. Ça va être chaud, ça va être chaud. Parce qu'ils sont nombreux les asticots. Alors, peut-être un répulsif à animal pour pas qu'ils m'attaquent tous, parce que là ça va être la fête du Fanta. Ok. Je vais assigner à l'emplacement celui-ci, comme ça je m'en souviens. Alors, dans la tête. Quand tu veux, quand tu veux. Ouais, c'est dingue, j'ai même pas tiré ça. Mais combien il t'en faut dans le cul? Ça va purer. Piou. Alors par contre, le répulsif, ça a pas marché 100 ans. Oh, dégueu. Jouerai son jeu tant que ça m'aidera à retrouver mes amis. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a des crocodiles là-dedans? Denis en sait peut-être plus sur Hoyt. Oh merde! Alors, je coupe, c'est le spoil. Désolé. Allô, Denis? Heureux, donc je vous ai épargné la conversation téléphonique totalement spoil du jeu, hein, si vous voulez y jouer. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a toujours un truc intéressant, c'est ça le truc. Comment je fais pour rentrer par là? Hop, je me suis fait un peu de répulsif à animaux. J'ai pas envie de me faire charger par les buffles. Ah, ah. Une caverne, mais pourquoi pas. Je prends. Hop, on y va. Ah ouais, là, c'est éventuellement pour faire une récolte de trucs bleus. Allez, on nage plus vite que ça, Jason. Ah. Je sais pas où ça te mène, hein. Mais c'est le jeu. Ah, c'était là qu'elles étaient tout à l'heure, les feuilles. Je trouvais pas. Et ici, ah, il y a... Je vais sûrement trouver une relique. Et les serpents, c'est méchant. Yeah! Ah ouais, on peut jouer au poker aussi. Et l'IA est pas totalement moisie. C'est assez relativement réaliste. Je continue. Hop. Yeah! Sympa, hein? Sympa, sympa. Alors, objectif...
Je vais essayer. Nous sommes ici. J'aurais pu me rapprocher. Je viens de tuer le buffle. J'aurais pu me rapprocher. Allons faire le défi sniper et puis tuer des requins. Ou alors tuer des requins et faire du poker pour vous montrer. Tuer des requins, faire du poker pour vous montrer. En plus, il y a des missions d'assassinat là. Alors là, c'est le Fantaception. Hein. C'est Fanta qui joue dans un jeu vidéo dans une île paradisiaque. Depuis une île paradisiaque. Ouais, je suis rentré chez moi. Hop. Je remplis l'inventaire. Au niveau, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Équipement, je vais vous montrer l'arc. Si je ne vous l'avais pas déjà fait, arme spéciale, arc recourbé, équipé, et je le mets à la place du fusil à pompe. Ah, à mon avis, il y a des pirates qui essayent de reprendre le camp. Par où ça se passe. Ouais, je crois que j'ai pas sûr. Allez. Non. Allez, vise, purée, saloperie. Ah, j'ai tué mon pote. Oh, navré. Putain de ta mère. Vache. Ah putain, ils ont pas aimé que je tue le pote. Allez, non mais c'était un piège, enfin c'était une blague. Ouais, il faut tuer tous les témoins. Ah bah ouais. Navré. J'espère que ça va pas être définitif, hein, l'hostilité des raquettes, parce que sinon je suis totalement dans la merde. Et vous avez pas vu que c'était une balle perdue ? Hop. Ça reste entre nous. Hein. J'ai bon, aucune raison de pas faire. Non. Je veux bien l'arc. C'était sympa l'arc. Alors toutes vos âmes sont améliorables et en plus on peut les peindre. C'est plutôt cool. On apprécie quand même la beauté du jeu. Par ici il doit y avoir des requins. Alors, comment aller chercher des requins? Si j'y vais à la nage, je pourrais pas tirer sous l'eau. Ce serait ballot. Je vais essayer de les attirer au jet ski. Me faire oublier aussi. C'était un accident. Alors, requin. Je suis ici. Par ici. Je vais me rapprocher du poker. Comme ça, je vais faire une pierre de coup. Je vous montre un peu. Graphiquement, les séances de poker sont très bien foutues. Beaucoup mieux que poker avec un 3 là. Ah, peut-être par ici. Puisqu'il y a un rocher. Il faudrait que je puisse les attirer et les shooter depuis un rocher en fait. Alors, c'est comme dans les dents de la mer. Hein. On voit les requins avec les amants. Oh purée, il fait nuit. Moi personnellement, je sais pas si vous avez déjà fait de la plongée sous-marine nocturne. Mais ça fait carrément flipper. Moi, je fais le kamikaze. On va aller faire le poker, on va attendre que le jour se lève. Je vais faire quelques mains, hein. je vais pas vous faire montrer. Hein. T'es trop riche pour jouer avec nous. Allez, installe-toi. Il me reste de la thune seulement. Oui. Donc là j'arrive avec un pot 200 et on va jouer ça à la normale. Je vous montre toutes les animations puis après je les passerai.
Ah oui, on peut regarder les mecs. Alors je sais pas s'ils ont leur poker face ou s'ils ont des tics. Ils jouent relativement bien. Personnellement, j'aime bien le poker. Suivi pour moi. Ouais, je balance. Bah oui, sans moi. Suivi pour moi. Je check. Ok, je passe. Bien. Ok, on s'en fout, je passe. Je passe la dissolution des cartes et je regarde. Cette dame, c'est de la merde. Couché. Ah ouais, je vous ai pas dit, hein, je joue serré agressif. Hein, c'est le style de jeu. As valet de pique. C'est pas mal ça. J'augmente. Comment on augmente avec cette. Le pot est à 31. Et je relance. On va engraisser le pot. On va voir ce que t'as dans le ventre. Je vais suivre. Je vais suivre. Bah, tout le monde a l'air motivé, je ne sais pas décourager. Je fasse gaffe hein, parce que la Zama 3 ça existe. Ah yeah, j'ai tiré mon valet. Je check. Par contre, il va falloir que je protège la couleur. Enfin, que j'empêche la couleur d'arriver. Avec un beau all-in. On y va. Ah oh, merde. Je vais me coucher. Je joue. Qui c'est qui reste? Ah putain. C'est bon. Ah non, il a fait le carreau. Ah non, super. Yeah. Vous avez vu ça? Merci, Dame Fortune. C'est pas la jolie main? Bon, les amateurs de poker sauront ce que j'ai fait. Faut savoir que j'y joue souvent. Mais jamais pour de l'argent. J'ai gagné plusieurs free rolls. Salut. C'est le seul. J'aime bien les tournois. Hop. Alors, on regarde. À 6. Allez, on suit. Je vais suivre. Non, je suis. Je joue pas ça. Hein. Je check. Allez, on passe. À 6, ok. Et je me couche. Et je me casse. Votre présence a bien amélioré les choses. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, ça, c'est magnifique. Allez. Échappe. Ouais, on a gagné quand même un petit peu de sous. Jamais essayé de les buter. Ça serait pas sympa ça. Je sais. Ah bah non, on peut pas l'armer, on peut pas sortir. Oui, ça, quand même. On est un héros, hein. On n'est pas des salauds. On essaye de nager sous l'eau avec les requins. C'est pas raisonnable. Normalement, surtout la nuit. Ah, une Raymanta. Vous voulez la voir? C'est la première fois que j'en vois une. J'avais vu des tortues. Oui, bah, c'est bon. Ouais, il y a des épaves et tout, il y a plein de trucs. Là, c'est quoi ça? Herbe bleue. Avant de me faire bouffer par un requin, je vais quand même prendre de la vie. Allez! Il y a peut-être pas par ici, hein. Normalement, il y avait, hein, c'est écrit sur la carte. C'est écrit sur la carte. Non, plus par là. Ouais, il faudrait que je me fasse un portefeuille en cuir. Alors dommage pour la nuit. Allez. Alors là on retrouve vraiment l'ambiance du premier Far Cry. C'était vraiment paradisiaque également. Ouh, vous voyez ça? Ça, il a l'air de rien avoir à foutre. Oh purée, ça a marché. Je vais perdre mon portefeuille. Oh purée. Alors non. Ah ok. Ça c'est fait.
Oh putain. Navré, c'est mon style. Il y en a plein en fait. Bon, c'était gentil, hein. C'est pour ça que j'ai pas pris la peine de m'inquiéter. Bon. Je suis une puce, ça va être. Sniper. Allez, on tente d'aller chercher ce requin dans les fonds, les fins fonds, les fins fonds. Oh mon dieu, je vais mourir. Allez, remonte. Il faut qu'il revienne plus près. Les remonte. Ouh là là. Ouais, c'est quand même assez profond. Par ici, ça doit être mieux. Il y a des requins, ça doit être moins profond. Allez. Allez. Allez, hop, on y va. En route pour l'aventure. Ça, c'est bien. On veut un portefeuille en peau de requin. Rien à foutre de la protection des animaux. Puisque c'est qu'un jeu vidéo. C'est bon ça. Je crois que j'avais déjà une peau de requin. Alors, confection. Portefeuille, oui. En peau de requin. Et le dernier, ah non. Pot de bouffe à une corne, oui, je viens de le chasser. C'est pas beau ça? Ça y est, je peux porter jusqu'à 10 000. J'ai débloqué tous les portefeuilles. Voilà, ça va relativement vite. C'est toujours sympa à faire la chasse. Surtout qu'il y a souvent des surprises. Alors, on se casse et on va faire défi couteau. Lancer de couteau, pourquoi pas. En espérant qu'il fasse jour, moi je préfère le jour. J'aime bien la lumière du soleil. Non, j'aurais dû vendre des trucs. On va se vendre à la grosse. Fallait pas grosse. Hop, on vend. Ça fait de la place. Des munitions. Fusil d'assaut, c'est bon. Mitrailleuse, c'est bon. Cocktail Molotov, j'en ai un paquet. Et pour les flèches. Ok. C'est bon. Par contre, je vais changer de flingue. Fusil d'assaut, ça c'est bon. Mitrailleuse légère. Spécial. Qu'est-ce que j'ai en arme? Je veux pas la. Si, équipé. Alors, navré, je regarde ce que j'ai comme flingue. Sans elle, je ne peux pas connaître les stocks des autres villages. Et croyez-moi, ils stockent souvent du super matériel. Ça me convient. Bon, ça sera un épisode nocturne. Ah, un point de compétence. C'est l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu les compétences. Alors, trois modes. Le héron, le requin et l'araignée. En sachant que le requin, c'est plutôt pour tout ce qui est résistance, santé, etc. Le héron, c'est des skills au combat. Et l'araignée, c'est pour le reste. C'est aussi c'est plutôt par rapport à l'exploration. Ok. Ah bien ça, améliorer la stabilité de l'arc au moment de tirer. Et ça vous fait un joli tatouage. À la fin vous avez le tatouage de la mort qui tue. Voilà, c'est instantanément tatoué. Tu places une mise, ouais. 5 couteaux, j'ai 5 couteaux. Je vise la cible, tu vises la cible. Si tu bats mon score, tu gagnes, ok? On est d'accord.
Merci. Alors à moi. Alors j'ai découvert qu'il fallait pas aller trop dans le vert, mais juste un petit peu avant. Donc je vise. Tu ne vas pas m'avoir, je veux gagner mes 50. Oh, raté. Pas grave. Je passe. À toi, bonhomme. À moi. Pour passer, c'est un clic de molette et c'est plutôt bien foutu. Oh là là, je suis mal barré. J'aurais dû m'entraîner. Alors. Wow, j'ai vu mieux. Ouais, t'as déjà vu mieux? Hop, allez. On va voir si t'as vu mieux. Oh, vise la cible, merde. Heureusement que j'ai fait un 100 juste avant. Et là. Ouais, bien. J'ai gagné. Et on se casse. On rentre à ma maison. Bye. Tu veux recommencer ? Comment il a trop la poker face ? C'est bon pour la thune. Donc au fur et à mesure qu'on libère les pylônes, si vous tournez pas le cochon, ça va brûler. Au fur et à mesure qu'on libère les pylônes radio, les armes deviennent gratos. Voilà. Et je vais essayer de me rapprocher de mon point ici. Peut-être en allant là. Après être allé à faire un tour à Battle. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe quand il n'y a pas de pirates. Enfin, quand il y a des pirates, justement. Quand il y a plein de pirates. Donc, quand on est dans une zone rouge, c'est un petit peu plus chaud. Alors, sauvegarde au cas où. Normalement, ça l'a fait en auto. Mais moi, je suis très prudent. Hop. Ah, défi Rakiat. J'en ai fait qu'un. Normalement, c'est... Ok. Normalement, c'est il faut tuer simplement le plus de gars possible sans mourir. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, et l'arme, elle est où? Ah, c'est ça, putain. C'est cool. Ah, ça va être... Ah, je m'y attendais pas. Sympa. Allez, je veux vous voir. Je veux vous voir. Infinite. Ça va péter. Allez. Ah, c'est trop classe. Alors à chaque fois l'arme elle change, hein. Ça peut aller tout haut, bah là on lance roquette, pourquoi pas. Hop. Oh mince, j'avais pas vu lui. Ah, d'ailleurs c'est la première fois que je vois un hélico. Allez, on se soigne. Là j'ai fait un coup double, hein, si je me trompe pas. Hélico, c'est où l'hélico? J'ai vu un hélico. J'ai entendu un hélico. Ah, le défi. Très bien. 220. J'ai gagné quoi? Oh non, spoil. Alors les amis, donc oui, régulièrement pour vous nous remettre dans l'histoire, ils vous balancent comment ça s'appelle la dernière conversation téléphonique pour vous dire quoi faire. Alors flèche spéciale, je vais fabriquer une flèche incendiaire et je vais la mettre. Alors ça c'est moins bas. Ça. Moins bas. Non, c'est moi celle-là. Ah cool.
Allez, un petit pylône, on va avoir des trucs gratos, une visibilité sur la carte, ça va me permettre d'avancer un petit peu l'histoire tout en vous montrant le jeu. Alors, je suis pas complètement au max dans mes graphismes. Je pouvais, mais ça faisait un petit peu laguer. Et pourtant, je suis revenu sur ma bête de course. Alors, peut-être parce que le pilote est pas à jour, j'en sais rien. 80 mètres, 100 mètres. On essaye. Ah bah non. 80 mètres. Oh, ça marche. 50 mètres. Ouah, Rambo! C'est pas beau, ça? C'est pas beau? Alors, il y a des mines aussi, il y a du C4. Ah, merde. J'aurais pu, hein, si jamais je suis vraiment en mauvaise posture. Je prendrai la calèche des pirates. Mais pour l'instant... Oulala, c'est pas bon ça. Hop. Allez, vas-y, bouffe-le. Bouffe-le et arrête de bouger, saloperie. Dans le cul. Raté. Il essaye de nager tant bien que mal. Je l'ai eu ou pas? On dirait, hein. Je vérifie parce qu'il y a souvent des crocos aussi. Et les crocos, c'est pas rigolo. Ouais, une peau de tigre gratos. Là, je suis bon pour Koh-Lanta, c'est sûr. Sympa ça aussi. Y a un coffre et je fais brûler tout. Non, bien sûr, ça ne brûlera qu'en apparence. Je pourrais revenir plus tard, la maison sera encore là. Mais c'est toujours joli pour les yeux. Des patrouilles pirates. Faut faire gaffe quand même. Ça, c'est pour faire des potions de soins. Alors, le pylône est là-bas. Je vous le montre avec mon zoom. On voit pas le temps passer hein, sur ce jeu. Comment il a rien vu? Merde! Comment je tire trop? Faites manger tout cru! Ok, rien ne va plus. Alors, ouais, j'ai un silencieux. J'ai un silencieux parce que je suis trop furtif. Tu me rends mon bon flingue, tu prends ta mère. Hop. Qui c'est qui gueule là? C'est pas bon. Trop cool hein, vous avez vu, j'ai pété. Alors j'ai cherché désespérément où était le réservoir pour le péter. Un petit peu à la crisis. J'ai pas réussi sur ces bagnoles là. Donc est-ce que vous voulez qu'on essaye? Oula. Pas des gentils ça. Pas avec moi, cocotte. Je te trouverai. Ah ouais? Ah ouais. Et t'es parti où la cocotte? Bon, t'as de la chance. Un coffre? Ouais, c'est pas vrai. Non. Ah, j'ai cru qu'on pouvait prendre la tronçonneuse, mais ça aurait été le pied total.
Hop. Alors, les paysages varient, hein, faut pas croire. Moi, je suis tombé des fois dans des zones avec plein de bambous, des trucs comme ça. C'est relativement réaliste. Oula. Un ours. Un ours. Qu'est-ce que je peux fabriquer avec un ours, quoi ? Peau d'ours. Des flèches. Intéressant. Mais je me disperse. Je me disperse. Le temps passe. Allez, j'en prends mon arc de Rambo. J'essaie de me faire la grimper. Hein. Donc oui, à la Réunion, on dit surf. On dit surf, carré de surf, parce qu'on en mange. Mais c'est vrai qu'en France, on dit serre. Voilà. Et que dans le dictionnaire français, c'est serre. Voilà. Mais nous, à la Réunion, on dit porc aussi. Voilà. Pourquoi tu dis porc ? Parce qu'on dit porc. Et vous savez, ça fait 14 ans que je suis à la Réunion, donc j'ai fini de prendre les petites habitudes. Pas un coffre, hein, je vérifie. Non, il y a des toilettes. Alors c'est toujours sympa de monter. Ils font jamais la même montée. Ça aurait pu être un simple copier-coller, mais des fois c'est un petit peu plus difficile que d'autres de trouver son chemin vers le haut. Ah voilà, il y a une petite variété. Bon, toujours à peu près la même chose, mais des fois faut faire des sauts. Oh, c'est beau, c'est beau. Hop. Alors des fois, il y a des patrouilles de pirates hein, pendant que vous montez comme ça. Faut faire gaffe quand même. Comme moi, j'ai même pas peur. Hop, et ça va me rapprocher grandement de ma mission. De ma mission à venir, que je vous ai pas spoilé parce que j'étais sympa. En tout cas, c'est un jeu que je vous recommande. J'ai fait un petit peu de multi, ça avait l'air tout à fait Call of Duty-like, sauf que l'environnement était plus agréable. Peut-être je vous montrerai un jour. Il y avait des killstreaks pareils et tout, il y avait des trucs sympas. Et puis aussi le mode coop. Tiens, peut-être on fera avec Bob, tiens, pas de quoi. Révélation de la carte. Alors qu'est-ce qu'ils vont donner comme arme gratuite? Moi j'aime bien les armes gratuites. Hop, arme gratuite. Pas d'arme gratuite, j'ai déjà tout. MP5 gratos. Oui, mais ça je l'avais déjà acheté. Et une quête de ravitaillement. La carte. Je suis ici, je dois aller ici. Voilà, ça va être relativement dangereux. Mais je vais le faire. I did it. Et si on faisait la mission de ravitaillement? Allez, saute. Saute. On va faire une petite balade en quad. Et après, je vous laisse. Ah. Alors c'est où? Putain, c'est tout droit. Ça va être chaud. Oh putain! Alors c'est bien par là. Hein. C'est la folie furieuse! Le Fanta, il est fou! Oh merde, les ennemis m'ont vu. Ça va être beaucoup plus difficile maintenant. Allez, matériel médical, livraison express. Yeah, avec la musique de ouf. Hop, alors attends, pas de conneries, Panta. Ça serait ballot. T'y es presque. On évite les arbres. Ok, direction. Là. Rien à foutre, pas de route, rien à foutre.
Hop. C'est l'arrivée. Oh, oh. J'aurai son jeu tant que ça m'aidera à retrouver mes amis. Ok. Yura. C'était ça, c'est peut-être plus sur Oit. C'est vraiment pas bon. Ah! Allô, Denis? Non! Pendant que vous n'étiez pas là, j'ai exécuté deux pirates qui sont venus s'échouer sur la plage grâce à... Oh, gaffe! Voilà. En attendant, content de vous avoir retrouvé. Désolé, j'avoue un petit peu enroué parce que je suis encore malade. Bah, c'est deux pirates, ça. On se les fait. Le conducteur. Oula. Ça va. Ça va chauffer. Non, c'est là. Ça va chauffer. Voilà. Ah purée, moi aussi ça va chauffer. Oh, regarde, c'est terminé avec peut-être l'explosion de la bagnole. Le sable ça brûle pas, hein, sauf si je me trompe. Ah bah si. Le sable ça brûle. Boum. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Fantabob Games. Un gros bisou à tous les amis. Je vous remercie, et puisqu'il n'y a pas de témoin, adieu! Voilà, je joue ton jeu parce que j'ai bien envie, salut! Bisous à tous.